nous offre un cocktail de musique mexicaine, agrémenté de musique merengue haïtienne. Nous voudrions d'entrée de jeu remercier Son Excellence l'ambassadeur du Mexique, José Luis Alvarado, pour son grand support au programme de musique mariachi à l'école de musique Sainte-Trinité. Cette année encore, pour ce concert, il a fait venir notre chef d'orchestre invité directement du Mexique pour travailler avec l'orchestre philharmonique Sainte-Trinité, le maestro Pedro Arrigue Ordonez. C'est pourquoi, mesdames et messieurs, j'ai l'honneur, l'estime honneur, de céder le microphone à l'ambassadeur du Mexique pour ses propos de circonstance. Monsieur l'ambassadeur. Maestro Pedro Arrigue, Père David César, chers collègues, ambassadeurs, chefs de mission diplomatique, mesdames et messieurs, madame Pombrou, bonne fête de mer, chers amis, bonsoir. Une année de plus, et nous avons le privilège de vous compter parmi nous au concert de gala avec la présence de l'orchestre philharmonique de Sainte-Trinité. La musique est une expression artistique avec une fonction sociale et culturelle qui unit le peuple, car elle nous permet de connaître, comprendre et de nous rapprocher des autres cultures et pays. Aussi, le milieu culturel fait partie de la coopération entre deux pays et fondamental afin qu'ils atteignent leurs objectifs et vainquent les défis constants. Je voudrais terminer en remerciant le maestro Arrigue Ordonez pour son support inestimable, son professionnalisme, son dévouement, son amour pour la musique et son esprit altruiste qui nous permet de contribuer au développement et à la préparation de ce jeune haïtien talentueux. Bon concert, joyeux fête de mer, merci beaucoup. El Danzón est une danse populaire, apparue en 1879 à Cuba et très implantée au Mexique, dans la ville de Mérida. Adultes, jeunes et enfants dansent sur les places deux ou trois fois par semaine au rythme de l'orchestre. On ne peut parler de Danzón sans parler du groupe compositeur mexicain de renommée mondiale, M. Arturo Márquez, né le 20 décembre 1950 à Alamos, Sonora. Mesdames et messieurs, sous vos applaudissements, Alas, Amalaba et Arturo Márquez.